Les spationautes de la Station spatiale internationale se transforment en déménageurs de l'espace. Ils ont ouvert les sas ce samedi afin d'entrer dans la capsule Dragon. Il leur faudra plusieurs jours pour décharger, puis recharger le premier vaisseau privé de transport spatial. Dragon, de fabrication américaine, a livré 521 kilos de provisions alimentaires et de matériel de laboratoire aux résidents de l'ISS. Jeudi prochain, le vaisseau reviendra sur Terre, chargé de matériel d'expériences scientifiques qui ont été réalisées à bord de l'ISS. La NASA compte désormais sur cette capsule pour livrer du fret à l'ISS. 12 vols sont prévus en 4 ans. L'amarrage avec la station orbitale effectuée vendredi a été un succès. Les vaisseaux privés pourraient ainsi prendre la relève des navettes spatiales dans le but de faire des économies.